22h, post live du 7 août 2020 à Afif Mouat, doctorant à l'université Batna 2, spécialité littérature et interdiscours. Alors, très heureux de vous retrouver une fois encore. Alors, j'avais donné rendez-vous aux membres de la communauté les jours derniers. Et j'avais voulu porter mon attention vers d'autres sujets, d'autres questions, vers d'autres champs analytiques. Pourquoi? Premièrement, pour permettre à l'ensemble de la communauté de diversifier sa lecture. Deuxièmement, pour porter notre attention vers des particularités ou vers des sujets qui se rapportent à la littérature, mais qui sortent des sentiers battus. Et dernièrement, je pense que je reçois assez souvent des messages portant sur la littérature, portant sur le doctorat, portant généralement aussi sur la préparation du concours. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le fil de la groupe Doctorat en littérature française, francophone et algérienne. Vous y trouverez votre bonheur pour celles et ceux qui sont bien sûr en phase de la recherche scientifique. Alors, je tiens à saluer celles et ceux qui sont là. Ceux qui font un parcours licence, ceux qui sont masterants, masterantes aussi, doctorants, doctorantes, enseignants, chercheurs, professeurs, etc. Donc je salue tous les membres de la communauté. Et pourquoi je réitère aussi à chaque fois ces posts live? Parce que, premièrement, je pourrais bien m'exprimer à travers des textes, mais j'aime bien m'exprimer directement. Pourquoi? Parce que ça facilite le contact, premièrement. Deuxièmement, parce que je peux interagir assez rapidement via vos questions, n'hésitez pas à les poser d'ailleurs. Et puis voilà, d'accord? Donc heureux de vous retrouver encore une fois. Post live du 7 août vendredi à 22h. Alors le sujet du jour, c'est analyse du discours littéraire. Analyse du discours littéraire à la croisée de l'analyse du discours, la linguistique du texte littéraire et de la théorie de la littérature. Donc on essaiera de faire une sorte de syncrétisme pour pouvoir un peu cerner la chose. Alors les points à aborder pour aujourd'hui. Premier point, notion clé en analyse du discours, l'AAD française. Deuxième point à aborder, le texte littéraire à la croisée de l'analyse du discours, de la pragmatique et de la linguistique de l'énonciation. Je le disais à l'instant. Alors, troisième point quoi, que nous allons aborder, c'est la généricité du texte discours. Et dernièrement, le quatrième point, c'est l'interdiscours, une pratique textuelle avant. C'est grosso modo les quatre points que nous allons aborder durant le live d'aujourd'hui. Alors, avant de commencer le live, avant de commencer d'aborder directement les questions majeures, j'aimerais d'abord faire le tour du champ méthodologique et du champ épistémologique de l'analyse du discours. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord d'explorer la notion d'analyse du discours à travers quelques définitions que j'ai pu retrouver. Quelques définitions qui ont été établies par des éminents chercheurs, des spécialistes autour de la question. Alors, l'analyse du discours est une technique de recherche en sciences sociales permettant de questionner ce qu'on fait en parlant, au-delà de ce qu'on dit, ou au-delà de ce que l'on dit. Du point de vue de Manguenot, il s'agit de l'analyse de l'articulation du texte et du lieu social dans lequel il est produit. Les principales questions auxquelles l'analyse du discours est censée répondre sont celles du comment et du pourquoi.
de l'activité langagière par opposition aux méthodes traditionnelles d'analyse qui plaçaient au centre de leur intérêt ou de leur problématique centrale les questions qui, quoi, quand, où, soit ta situation d'énonciation. Alors, l'analyse du discours est née dans les années 50 à la suite de la publication de l'article de Harris, Discourse Analysis, dans la revue Langage, en 1952 plus précisément. Elle se veut en réaction d'une part à la tradition philologique des études de texte et d'autre part à la linguistique cantonnée dans la description de la phrase en tant que plus grande unité de communication. Donc quelque part, l'analyse du discours, elle est venue pour résoudre les limites de la phrase, pour porter l'attention vers texte, vers des énoncés plus concrets, vers des énoncés plus développés et je dirais plus grands, pour simplifier. L'intérêt aussi de l'analyse du discours, il porte sur l'articulation du langage et du contexte, sur les activités du locuteur. Donc, ce n'est pas uniquement un intérêt porté vers le texte, c'est aussi un intérêt porté sur l'énonciation. Alors, la notion de discours chez Mengenau, venons-en au fait, et attaquons-nous directement à la notion chez Dominique Mengenau. Alors, la notion de discours permet de montrer qu'on adhère à certaines idées ou à certaines forces. Je reprends ici Dominique Mengenau. Entre autres, le langage est une forme d'interaction norme. Alors je reprends. Le langage est une forme d'interaction régie par des normes. On peut ajouter qu'il est foncièrement contextualisé, orienté et pris dans un interdiscours. Alors pourquoi est-ce qu'on aborde la problématique du langage? Parce que je viens de dire qu'il était question d'une énonciation et que l'énonciation, elle passait via le langage, via un support. Alors, je disais que le langage, il était contextualisé, il était orienté et qu'il était pris dans l'interdiscours. Donc, il est question d'une pluridimension, il est question de plusieurs, je dirais, dimensions qui entrent en vigueur dès lors que le discours est énoncé. Alors, le discours, deuxièmement, intervient dans un contexte. Il ne se limite pas, d'ailleurs, concernant le chercheur, à ce postulat, car ce serait considérer le contexte comme un cadre, un décor. Ici, c'est le discours qui pose le contexte, et ce n'est pas le contexte, ou plutôt ce n'est pas le discours qui est pris dans un contexte. C'est le discours, via ses unités, via sa structure, qui va poser le contexte pour bien se mettre d'accord là-dessus. Il n'y a de discours que contextualisé. Il ne peut y avoir de discours que contextualisé. On ne peut d'ailleurs assigner un sens à un énoncé hors contexte. On ne peut donner du sens à un énoncé en dehors du contexte. Ça ressemble un peu à la pragmatique cognitive. Oui, on n'en est pas loin. On est pour l'heure, on n'est pas encore à la pragmatique, on est encore dans le volet énonciatif de l'analyse du discours. Alors, le discours contribue à définir son contexte. Ça, on en a dit. Alors, le deuxième point, le discours est orienté. Alors, il faudrait bien comprendre ce type d'orientation. Alors, d'abord, parce qu'il est conçu en fonction d'une visée du locuteur et ensuite parce qu'il se développe dans le temps. Lorsqu'on parle de visée du locuteur, je te rejoins, Feriel Anouf. Quand on parle de visée, là, il est question de pragmatique. Acte locutoire, perlocutoire et illocutoire. Mais avant, il s'agit d'abord d'une question d'énonciation. Nous le verrons plus tard. Alors, le discours est construit de fonction en fonction d'une fin, plutôt.
Il est censé aller quelque part. Il n'est pas fortuit. La parole n'est pas fortuite. On n'énonce pas un discours pour qu'il soit énoncé. Le discours, il est porté et il est énoncé car il vise à atteindre quelque chose, car il a une finalité. Et justement, le locuteur tient une place véhémente là-dessus. Oui, le live sera enregistré. Le live sera enregistré, d'accord? Alors, le locuteur peut mettre un terme à la linéarité du discours. Il dérive, il revient, il sort des sentiers de son énonciation, à travers des digressions notamment, mais il est toujours là et le contexte d'énonciation tient toujours. Le troisième point abordé par Dominique Maguenaud, le discours ne prend sens qu'à l'intérieur d'autres discours à travers lesquels il doit se frayer un chemin. Alors je reprends le troisième point. Le discours ne prend sens qu'à l'intérieur d'un univers, pardon, d'un univers, d'autres discours à travers lesquels il doit se frayer un chemin. C'est-à-dire que le discours n'évolue pas seul. Il est toujours à la croisée ou à la lisière d'autres discours, d'autres. Pour reprendre Michel Foucault, d'autres formations discursives, d'autres formations sociales. Et justement, à ce titre, le discours doit être interprété aussi via ces autres tissus discursifs. Le discours doit être aussi interprété via ces autres discours. Alors pour interpréter l'énoncé, il faut impérativement le mettre en relation avec d'autres énoncés, à condition qu'on songe le tout dans un genre de discours donné. Donc, pour en arriver à penser l'interdiscours, il faudrait le penser en termes de généricité. D'où d'ailleurs le deuxième point d'aujourd'hui abordé, la généricité du discours-texte. Alors, quand on parle de généricité, on parle de genre. Et quand on parle de genre, il est question du genre en littérature. Nous parlons ici du roman, nous parlons ici du vaudeville, nous parlons ici du journal télévisé. On peut le ranger dans un genre défini. Alors, j'y reviendrai dans quelques instants. Apparemment, il y a un peu de bruit, d'accord? J'essaierai de régler ça et je reviens. À tout de suite. À tout de suite.